Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle posture donc de Zan Xuan, la posture numéro 6 sur 17 de la méthode Tao, de l'école Tao. Donc, sur la posture numéro 5, nous étions ici, avec les paumes dirigées vers le ventre. Je rappelle que les cinq premières postures ont pour fonction de renforcer l'énergie dans le bas du corps, l'énergie terre. Et bien, pour la posture suivante, nous allons simplement monter un petit peu les mains au niveau du deuxième foyer, le foyer qui comprend les organes de la digestion, la transformation des aliments, estomac, rate, pancréas, foie, vésicule biliaire. Non seulement les mains sont montées, mais elles se sont un peu éloignées du corps. De profil, sur la paume qui était avec le dentier inférieur, nous avons les mains assez proches de l'abdomen. Quand je monte au foyer médian, les mains s'éloignent un petit peu. Le coussin imaginaire, le ballon imaginaire que vous tenez entre votre main et votre corps a pris un peu d'ampleur. Veillez au bon parallélisme de vos pieds, à la bonne assise dans vos jambes, dans votre bassin. Et à partir de là, nous pouvons remettre en place toutes les arches du corps. Les arches sous les pieds. Rappelez-vous, elles sont très légères, très petites, juste une sensation de mettre quelque chose sous la plante du pied, comme une petite balle qui soulèverait. L'arche des cuisses. Laissez venir s'installer comme un gros ballon que vous tiendriez coincé entre au niveau des adducteurs. L'arche de la colonne vertébrale, je remonte de profil ici, avec la sensation de venir laisser s'installer une arche dans tout le dos. Je libère le sacrum vers la terre, comme s'il était aspiré par la terre, par un poids imaginaire. Pendant que j'érige ma nuque, cela efface naturellement les courbures lombaires et cervicales, mais sans tomber bien sûr dans ceci, le dos rond. C'est juste la sensation de créer une arche dans le dos. La sensation de l'arche maintenant dans vos omoplates, en laissant fondre la poitrine légèrement sous les clavicules, en laissant les omoplates s'ouvrir dans le sens de la largeur, ce qui procure donc une croix dans le dos. Les arches sous les aisselles, avec la sensation de tenir comme deux petites balles sous les aisselles. Et enfin, les arches dans les petits doigts, avec la sensation de tenir des petites billes de coton dans les interstices des doigts ici. Voilà. Dans cette position, vous pouvez maintenant faire un travail sur les jambes. On peut revenir à la terre et vous pouvez doucement intégrer un travail de visualisation du système osseux, le système osseux des pieds. Je me concentre quelques instants sur les os du pied, les os des pieds, les os des chevilles, le tibia, les péronées, l'articulation du genou, la rotule, le fémur, les fémurs, les deux fémurs, l'articulation des hanches,
et le bassin dans son ensemble. Prenez le temps de visualiser intérieurement ce système osseux. Progressivement, bien sûr, cela prendra du temps, c'est comme une méditation. D'où l'importance de visualiser aussi des planches anatomiques pour voir un petit peu comment tout cela est constitué. Et une fois que vous avez visualisé ce système osseux, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle la respiration par les os ou la respiration des moelles osseuses, la respiration par les jambes. Je m'explique. À l'inspiration, ici, vous voyez, je peux visualiser, je ferme les yeux si ça m'aide, un souffle qui traverse les os des pieds, des jambes, des cuisses, du fémur, qui arrive au bassin, comme un souffle lumineux qui traverse les jambes, les os des jambes au plus profond, et qui vient à l'intérieur de l'abdomen, au centre, 7 cm en arrière de la paroi abdominale, 3 cm environ sous le nombril, et je renvoie ce souffle lumineux à travers mes jambes jusque dans la terre. J'inspire, j'expire. Je produis la respiration inversée après l'avoir étudiée bien sûr de manière plus spécifique et je peux placer par exemple au début 6 respirations. Donc j'inspire, je rétracte l'abdomen, je contrôle un peu le périnée. J'expire, je laisse l'abdomen se gonfler de toutes parts et je relâche légèrement le périnée. J'inspire, j'expire. Donc, après avoir fait un travail spécifique de visualisation des os, des jambes, sans forcément placer votre respiration. Après avoir fait un travail spécifique de respiration inversée, sans avoir forcément visualisé les os des jambes et le souffle dans la moelle osseuse, eh bien, vous pouvez essayer de cumuler les deux. J'inspire, le souffle monte à travers les os des jambes. J'expire, le souffle redescend. Ne cherchez pas quelque chose de clair, de précis, de limpide dès le début. Comme toute chose, cela demande un peu de pratique, un peu d'entraînement. Avant d'avoir une vision claire, avant d'avoir un souffle régulier, continu, fluide. C'est pourquoi il faut travailler tout cela séparément. Et bien sûr, cela renforcera la posture que vous êtes en train de travailler. Voilà, sur une expiration, relâchez doucement et n'oubliez pas de rester quelques secondes, voire quelques minutes pour apprécier la circulation globale dans tout le corps. On se recentre. Et je vous dis
À bientôt donc pour la prochaine posture. Merci.